Madame Mamoudis, bienvenue. Mon nom est Samuel Thibault. Je suis présentement à Abidjan, Côte d'Ivoire. Plutôt de 3 mois, je dirais, pendant 3 mois, je travaille pour la Wikimedia Foundation. Mais certains me connaîtront, peut-être en raison de mon précédent rôle lors de la stratégie Wikimedia 2030, où je servais comme facilitateur pour les discussions stratégiques. Et vous souvenez bien les communautés francophones sur la Wikipédia, mais aussi sur les projets frères, ont pris une partie à ces discussions. Et donc j'étais à cette époque facilitateur. Et comme je le disais tantôt, donc depuis 3 mois, j'ai une autre casquette et je fais partie de l'équipe Trust and Safety. Vous pourrez comprendre un peu comme dans la partie confidentialité et sécurité de la formation. Mais on aura l'occasion de savoir un peu plus sur vous. Alors, est-ce que on entend bien? Est-ce que le son est clair? Oui. Merci de me la répondre. D'accord. Entends très bien, Samuel. D'accord. Très rassurant. Alors, l'idée de cette session, c'est un peu de savoir ce qu'on fait. En tant qu'équipe Trust and Safety, c'est quoi, en gros, ce qu'on fait. Tout à l'heure, on verra. L'idée principale, c'est de s'assurer que les communautés, à la fois celles qui sont en ligne, mais celles qui sont aussi physiques, donc comme des affiliés, puissent bénéficier de l'assistance nécessaire dans les situations où, bien entendu, leurs efforts en tant que communauté s'avèrent quelque peu limités face aux questions de sécurité, face aux questions de menaces de vie, de mort, menaces de menaces sur l'intégrité physique et bien d'autres choses. Mais on aura une occasion d'en parler. Et je pense que ce qu'il faut tout d'abord comprendre, c'est que l'équipe Trust and Safety, c'est un groupe de déjà de 10 personnes. Des personnes qui se travaillent en fondation, 10 personnes, dont les actions sont un peu articulées autour de deux centres principaux de l'intérêt. Et donc, il y a quelque part là, tout à l'heure je passerai en mode présentation, il y a ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux points essentiels, des actions qui sont menées en vue d'éviter que tout ce qui est comme incident voit le jour, donc des méthodes préventives, telles que la lutte contre les vandales et autres trolls sur le plateforme, mais aussi un autre type d'activité qui sont donc des mesures que nous adressons lorsque tous les mécanismes pour éviter les incidents se sont avérés insignifiants. Donc, on a des actions qui arrivent en but de traiter l'incident lorsqu'il s'est montré sous sa forme d'activité. Quelques secondes et je passe à votre présentation. Alors, déjà, du fond du cœur voulu, prendre part physiquement moi-même à la convention de Grenoble. Donc, pour des questions de visa qui sont aussi familières à plusieurs autres contributeurs bénévoles, bien sûr, mais qui touchent aussi donc, des personnes hors de la communauté bénévole, donc des membres de la fondation comme moi. Je ne suis pas présent moi-même. Je suis tout cœur avec les participants de cette convention et je vous souhaite donc. Bonne chance, je sais qu'elle est utile bientôt sa fin. Hein. Je vous partage mes pensées les plus sincères et vous souhaite bonne continuation dans cette convention. Alors, est-ce que la présentation est visible? Oui, la salle. Ça marche. Alors, donc je vous le disais, je vous nomme Samuel Bébo. Et il faut donc savoir que l'équipe Trust and Safety a connu plusieurs dénominations par le passé, Support and Safety, Community Advocacy, mais la mission reste la même objectif,
permettre que les communautés, à la fois physiques et virtuelles, soient le plus possible protégées de tout ce qui est donc risque, et que nos communautés soient à la fois conviviales et sécurisées sur. J'en parlais un peu d'anglais, c'est deux types d'activités. Donc, celles qu'on appelle les activités policy, qui en fait sont comme des garde-fous empêchant que tout type de. Tant que possible, que tout type d'incident se déroule sur le plateforme aussi au sein des communautés. Par incident, je pourrais dire en un mot, c'est donc ce qui menacerait la sécurité et la convivialité des contributeurs des communautés. Donc, c'est 10 personnes. Moi, je travaille surtout dans la partie coopération. Je le disais tantôt, ce sont les actions qui sont menées lorsque l'incident n'a pas réussi à être évité et qu'il a lieu. Donc, comment, par exemple, quelqu'un qui fait face à une menace de mort ou qui, quelqu'un par exemple qui menace de se suicider, qui utilise le canal de Wikipédia pour véhiculer une menace qui menace de porter atteinte à sa propre personne. Comment est-ce qu'on fait face à ce genre de situation? La partie operations est surtout en avant face à ce genre d'éventualité. Alors, ce que nous faisons en gros, il y a. Premièrement, l'examen, il est important. Je le disais, tout ce qui est comme barrière à la sécurité ou comme menace rentre d'emblée dans notre sphère d'action. Si vous, par exemple, vous faites face à un contenu de nature pornographique sur une autre plateforme, c'est une situation qui, d'emblée, rentre sous la sphère d'action de l'équipe Trust and Safety. Lorsque c'est rapporté à l'équipe, on va examiner cette information et puis si cela mérite d'être relayé aux autorités compétentes ou si cela mérite de prendre une action à notre niveau, l'équipe de Trust and Safety s'en charge. Il y a un canal pour cela, j'en parlerai un peu plus tard. La partie operation, je le disais, on met en œuvre de l'action lorsque l'incident se produit. On a par exemple des bannissements, soit globaux, soit des bannissements. Lors d'événements, lorsqu'il a été constaté et trouvé qu'une personne, de par son action, a enfreint les règles qui régissent nos communautés, mais aussi a mis en péril la sécurité des personnes ou la convivialité des communautés qui participent à l'évolution des projets Wikimedia. Aussi, le comité d'affiliation bénéficie du soutien. De l'équipe Trust and Safety lorsqu'il le demande. Donc, parmi nos missions figure l'appui que nous prodiguons au comité d'affiliation et aussi à l'APROC. Et on fait aussi dans la pratique beaucoup d'assistance technique lorsque des utilisateurs, par exemple, égarent leurs accès ou lorsque leur authentification avec un two-factor ou two-factor authentication a un souci, ils ne peuvent plus se connecter. Il est très fréquemment que l'équipe Trust and Safety soit contactée pour régler et permettre à ses contributeurs d'avoir accès à nouveau à leur plateforme. Donc oui, il y a beaucoup d'assistance technique pour ce que nous faisons. On a plus d'accord à la communauté. Donc les quelques heures, les websites et autres fonctionnaires en plus du logo et de l'équipe Trust and Safety, ça peut être à la fois au niveau technique des accès, comme je dis, mais aussi pour fournir des informations qui peuvent permettre dans leur mission de lutte contre les vandales et autres d'être plus efficaces. Dans le même ordre d'idée, on assiste les stewards et là, comme au comité d'arbitrage, etc., lorsqu'ils ont ils font face à des situations qui vont dans le champ d'action, le kit de l'associé qui, lorsqu'ils pensent que notre avis ou notre appui peut, d'une façon ou d'une autre, être perdu. Et puis, je le disais, beaucoup d'événements, il nous arrive aussi d'appuyer les communautés, par exemple dans la gestion de crises ou d'incidents de sécurité, dans les événements comme Wikimania ou la conférence Berlin, il nous arrive aussi de pouvoir assister la communauté. Lors du chef à Wiki, la dernière édition de Wikimania à Cape Town, donc, l'équipe Trust and Safety avait à la fois un stand, mais aussi était physiquement en liaison très étroite avec la communauté et la communauté organisatrice afin
de gérer les incidents liés à la sécurité et donc à la convivialité. Bien sûr, puisque nous faisons partie de la formation, il y a des missions de routine internes que nous effectuons, mais je passerai rapidement là-dessus, puisque je pense que l'objet, c'est surtout de savoir comment la communauté peut bénéficier de l'appui du personnel safety. Bon. On va faire beaucoup d'assistance juridique, mais on a des mandats de perquisition qui sont transmis à la formation dans le cadre d'une enquête juridique, voir qu'est-ce qui, dans quelle mesure, soit une information qui viole le droit d'auteur pour être utilisée ou pas. Donc, l'assistance juridique fait partie des activités de routine que nous menons en étant un compartiment interne de la Fondation. Alors, ce que nous ne faisons pas, je l'ai dit d'emblée, le but de cette discussion, c'est surtout d'échanger avec la communauté, de faire comprendre d'abord ce qui est possible de faire, comment la communauté peut nous aider, d'où le caractère assez succinct de cette présentation. J'insiste sur ce que nous ne faisons pas pour que dans la démarche de la communauté vers l'équipe Trust and Safety, les attentes soient connues d'avance. Alors, l'édition et la suppression de contenu, bien entendu, la formation même dans le respect de l'autonomie des communautés. Ce qui donc relève de l'édition ou de la gestion du contenu de manière générale, la maintenance, n'entre pas dans le champ d'action de l'équipe Trust and Safety et nous en gardons tant que possible. Interférer dans le processus autonome des communautés, c'est clair, on n'a pas pour but de le faire. Alors, les élections locales, les votes des administrateurs, les votes des différents compartiments des communautés, ce ne sont pas des choses dans lesquelles l'équipe Trust and Safety ou la formation de manière générale doit intervenir. Et il faut aussi comprendre que la lutte anti-vandalisme de l'IR, donc le reverting des tours, etc., sont de l'apanage principal de la communauté. Et donc, de manière générale, la fondation et par le touchement de l'équipe Trust and Safety n'intervient pas. Et nous ne proposons pas non plus d'instructions ou d'orientation sur la façon dont les projets Wikimedia autonomes doivent mettre en œuvre leur gouvernance. Il est aussi bon de savoir que nous avons initié plusieurs projets dans la même logique d'aider les communautés. Le premier projet, c'est Voices Under Threat, ou en français, Voix en danger, qui est un projet en fait pour assister les communautés qui sont dans les régions du monde ou dans des circonstances où éditer du contenu est susceptible de mettre leur vie en danger, ou ces contributeurs font directement face, et ce n'est plus une éventualité, mais une situation, ils font directement face à des risques imminents sur leur vie. Vous pourriez en savoir plus si vous consultez la page Meta, Voices Under Threat. Le lien pour accéder à cette formation est disponible sur la page Meta, la référence, donc vous pouvez consulter plus tard. Nous avons aussi mis en place plusieurs modules de formation pour les communautés qui veulent par exemple savoir, sans recourir forcément à l'appui du Trust and Safety, code de conduite ou des politiques de gestion des conflits et des incidents liés à la sécurité et à la convivialité pendant les événements. Nous avons un ensemble de modules de formation qui ont été à la fois mis sous licence et partagé. L'initiative Community Health, c'est une initiative qui a été débutée depuis quelques années. Qui suit son cours et sur laquelle j'insiste un peu, puisque l'un des axes les plus importants de cette initiative-là, c'est la lutte, l'ensemble d'outils de lutte contre les vandales. Et je le constate de plus en plus. C'est vrai que je suis à la formation depuis pas très longtemps, mais l'une des choses que je constate dans la mission de Trust and Safety, c'est que on fait beaucoup face à des actes de vandalisme et à la communauté qui par moment est débordée. Ou à des moyens techniques qui ne lui permettent pas de gérer autant qu'elle le souhaiterait la. Et bon, justement, une petite community health a pour but de faire collaborer à la fois les communautés qui, au jour le jour, combattent le vandalisme et autres causes, les faire collaborer avec la communauté et avec les bénévoles qui travaillent sur les outils existants en vue de non seulement améliorer ces outils-là, même d'arriver à des conclusions plus efficaces, d'arriver à des réflexions plus efficaces, puisque la communauté, dans sa position de personnes étant en confrontation directe, tous les jours avec les
et Ronald Hood. Protrôle est mieux placé pour savoir quelle tactique, quelle méthode peut être efficace dans la lutte. Du coup, je rejoins vivement les personnes intéressées à faire un tour sur ce lien et puis après la discussion aussi voir comment, en tant qu'attaqué, personne de safety, pour apporter aussi un grand essai dans ce qu'on a fait de. Et puis, il y a un ensemble de projets aussi sur les questions de confidentialité, sécurité et de gestion des données. Alors, à tout moment, quand est-ce qu'on peut contacter la société? Évidemment, lorsqu'on fait face à des violations de la vie privée, lorsque j'en parlais un peu dans les contenus pornographiques à caractère fondant. Ce sont des situations qui n'ont pas le passé Wikipédia, on le sait, la violation des droits de l'homme n'ont pas le passé entendu, ou des situations de harcèlement systématique. Voilà, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Voici d'emblée des critères pour savoir si une situation mérite d'être rapportée à Trust and Safety ou pas. Bien entendu, si cela, on regarde les critères de l'employé. Si vous vous rendez compte que la situation est bien évidemment du ressort de Trust and Safety, n'hésitez pas à le contacter. Lorsque aussi, il est important de le dire, nous suggérons que la communauté nous fasse signe lorsque cet effort top communauté a échoué. Il est important de mentionner parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un contexte où la communauté a cette autonomie hein, qui est peut-être un couteau sur la tranchée pour la population et s'engage à respecter l'autonomie des communautés. Autant cela implique aussi que la communauté est quelque part assez autonome pour, bien entendu, prendre en charge ces questions de harcèlement dans la mesure du possible et des outils dont elle dispose. Donc, bien entendu, lorsque les efforts de la communauté ont échoué. Et comment nous contacter? Deux canaux principaux. Pour les questions d'urgence, donc menace à la vie ou à l'intégrité physique, n'hésitez pas. L'adresse mail emergency@wikimedia.org, c'est l'adresse classique. Il faut noter que elle est. En fait, lorsque vous envoyez un mail à emergency, tous les membres de l'équipe de sécurité sont informés à la fois par téléphone. On a un système derrière qui nous informe par téléphone, par SMS, par mail, et donc vous alertez en permanence les 10 personnes qui sont censées travailler. Et il faut aussi dire que cette boîte ou ce canal-là est disponible 24/24, 7 jours sur 7. Du coup, il est vivement conseillé de l'utiliser vraiment pour des questions qui font partie des urgences mentionnées plus haut. Donc, menace à la vie ou à l'intégrité physique, pour ne pas justement épuiser ou gaspiller la ressource inutilement, qui peut être alloué, la ressource, pas de ressources, donc des efforts physiques de l'équipe de conseiller qui peut être alloué à autre chose. Mais bien entendu, s'il s'agit d'une urgence, n'hésitez pas à utiliser cette adresse mail. Et puis bien entendu, pour tous les autres types de rapports, d'abus, une requête en vue d'un établissement, ce que j'appelle Office Action, c'est un ensemble d'actions prises par la communauté dans certaines mesures, bannissement global, bannissement local, etc. En réalité, ces actions ne sont pas tellement différentes de ce que la communauté peut faire, à part bien sûr le bannissement global. Mais pour tout autre type de rapport d'abus, n'hésitez pas à contacter Trust and Safety, @wikimedia.org, ou aussi à même des questions, vous poser même des questions, avoir des éclaircissements, ou être aidé d'une façon ou d'une autre dans notre mission de bénévole. Alors, l'idée c'est vraiment d'avoir une discussion autour de ta présentation et puis pouvoir aussi éclairer les zones d'ombre. Du coup, si vous avez des questions, je vous encourage vivement, n'hésitez pas à les poser et je vous remercie pour votre temps et pour votre considération.